C'est des chiffres et des lettres qui écrivent la loi. Si tu ne sais pas la lire, elle ne te respecte pas. Des chiffres et des lettres, c'est ça qui écrit la loi. Si tu ne sais pas lire la loi ne te respecte pas. Et aujourd'hui en Guinée, c'est ça le problème. Les gens ne savent pas lire la loi. Ils ne savent pas la lire. Donc n'importe quelle personne qui se lève peut se permettre d'interpréter la loi en sa faveur et en son avantage. N'importe quelle personne qui se lève aujourd'hui peut changer la loi et la tourner à son avantage. C'est ça le plus gros malheur de ce pays. La loi, c'est des chiffres et des lettres qui font la loi. Article, lettre, un chiffre. Si tu ne sais pas lire ça ne te respecte pas. Et n'importe quelle personne qui arrive à tâtonner même dessus pour lire ça, il peut tourner ça contre toi. Il peut tourner ça contre toi. Il peut en tout cas tourner ou modifier les chiffres et les lettres à son avantage. Cultivez-vous, peuple de Guinée. Cultivez-vous, jeunesse guinéenne. Instruisez-vous. Instruisez-vous, cultivez-vous, c'est ça qui est la vérité. Cultivez-vous, instruisez-vous, apprenez à connaître vos textes de loi. Apprenez à les lire, apprenez à les interpréter, apprenez à les comprendre. Que le premier farfelu venu ne puisse pas tourner la loi contre vous. C'est très important. C'est très important. C'est très important. La loi, c'est fait avec des chiffres et des lettres. Apprenez à lire la loi. Apprenez à comprendre la loi. Apprenez à interpréter la loi. C'est très important. C'est très important, la famille. C'est très important. Sinon, n'importe quel farfelu peut tourner la loi contre vous. Aujourd'hui, je suis en mode casquette militaire là. J'ai levé le bonnet de Hamoul en fait un peu là. Parce que j'ai envie qu'on interprète ensemble le discours de Tokora chez les militaires là. Tokora, il a fait fort. Hein? Il est fort, Tokora, il est fort. Il est fort. Il est fort. Tokora, il est très très fort. Il a quand même réussi à aller voir les militaires et à leur dire, c'est-à-dire. En les regardant dans les yeux, il leur a manqué de respect et ils l'ont applaudi. Tokora est très très fort. Tokora est très très fort. Il dit que l'armée guinéenne n'a jamais fait de coup d'État. C'est vrai, il a raison. Les militaires, ils entendent ça, ils applaudissent. Ils sont tout contents, tout heureux. Mais ils ne se rendent même pas compte que Tokora est en train de les insulter. Tokora est en train de les insulter. Tokora est juste en train de dire que ça fait 62 ans que la Guinée est indépendante et que l'armée guinéenne n'a jamais été du côté de sa population. L'armée guinéenne n'a jamais été républicaine. L'armée guinéenne n'a jamais été du côté du peuple. Tokora, il dit que l'armée guinéenne, ils attendent quand les gens ils meurent, ils prennent le pouvoir. Ouais. Et quand il dit ça là, il fait allusion à Sékou Touré, il fait allusion à l'Ansana Conté. Ouais, l'armée guinéenne. Et puis il vous dit ça droit dans les yeux. Et puis vous l'applaudissez. Pa, 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 pa. Vous êtes content. Vous êtes content. Vive Tokora. Vous êtes content. Vous êtes content. Vous êtes content. Vous êtes tout heureux. Le monsieur, il vous regarde dans les yeux, il vous insulte. Il vous dit, vous n'avez jamais été du côté du peuple. Et vous l'applaudissez pour ça. Ouais. Mais vous avez oublié. Que quand vos ordres venaient de Sékou Touré, Tokora, il vous insultait. Il vous disait que vous étiez une armée non républicaine, que vous étiez une armée irresponsable. Vous avez oublié ça, vous. Quand l'Ansana Conté était au pouvoir, Tokora, il vous a dit encore que vous êtes une armée irresponsable. Vous n'êtes pas une armée républicaine. Vous avez oublié ça. Aujourd'hui, lui, il est au pouvoir. Il vient encore vous regarder dans les yeux et il vous dit, vous êtes une armée irresponsable. Et vous l'applaudissez. Il dit, on va s'occuper de vous. Et vous êtes tout content. Vous êtes tout heureux.
Vous êtes tout heureux, tout content. Tout content. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? À quel moment les gens ils vont comprendre? À tous les niveaux. À quel moment les gens ils vont comprendre? À quel moment les gens ils vont comprendre? Que au fait, les enfants qui sont en train de sortir dans la rue, les personnes comme les Diani Alpha qui sont en train de faire des directs Facebook pour parler de la Guinée, ils le font, c'est-à-dire, c'est pour l'amour de l'autre. C'est pour l'amour de la patrie, c'est pour l'amour de l'autre, c'est pour l'amour du vrai, du juste et du justifiable. À quel moment les gens ils vont comprendre ça? Le monsieur, il vient dans les casernes et puis il vous fait des discours. Il vous insulte tout au long du discours et vous l'applaudissez. Vous êtes tout content, vous êtes tout heureux. Tout heureux. Les officiers, je comprends, hein, ils sont à sa solde, tous. Tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont. Mais est-ce qu'ils sont représentatifs de l'armée guinéenne? Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'armée guinéenne? C'est donc ça l'armée guinéenne? C'est donc ça l'armée guinéenne? C'est que Touré est au pouvoir, on vous traite d'armée irresponsable. On dit, vous, vous ne savez pas faire coup d'état, vous êtes des vauriens. Pendant que nous, on est dans l'opposition, on vous dit ça. Là, ça n'a côté vieux au pouvoir, on vous dit que vous êtes une armée irresponsable. Maintenant, on vient encore au pouvoir, on vous dit encore, vous êtes une armée irresponsable, vous n'avez jamais fait coup d'état. Ça veut dire quoi? Attendez, quand je vais mourir, vous prenez le pouvoir, ne le faites pas de mon vivant. C'est ça le message, c'est ça le sous-entendu. C'est ça le sous-entendu et vous, vous l'applaudissez pour ça. Vous l'applaudissez, vous vous mettez au garde-vous, vous êtes tout content, vous êtes tout heureux. S'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que retenez, en Guinée, il n'y aura plus jamais de coup d'État. Plus jamais il n'y aura de coup d'État en Guinée. La dernière tentative de coup d'État a échoué le 18 octobre. Il n'y aura plus jamais de coup d'État en Guinée. Même si un militaire venait à le faire tout de suite. Même si un militaire venait à le faire tout de suite, nous, on va se lever et il va nous trouver devant lui. Devant lui. Le pouvoir en Guinée, aujourd'hui, le pouvoir, il se gagne et il se perd dans les urnes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La Guinée va passer un autre cap encore de son histoire. Un autre cap encore de son histoire. Et elle va donner le temps. Comme elle a l'habitude de le faire, la Guinée va donner le temps. Le pouvoir, il se gagne et il se perd dans les urnes. C'est tout. C'est tout. Coup d'État, il faut oublier ça. La dernière tentative a échoué le 18 octobre. La dernière tentative de coup d'État en Guinée a échoué le 18 octobre. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Tout ça, c'est des faux débats. Tout ce qu'il y a derrière après, c'est des faux débats. C'est que l'un dit, c'est que l'autre. C'est des faux débats. C'est des faux débats. Ce que tous les Guinéens doivent écouter aujourd'hui, c'est l'opinion nationale, le peuple, la voix du peuple. La voix du peuple. N'importe quelle personne qui sera au pouvoir ne dirigera que des Guinéens. Ça, c'est n'importe quelle personne qui sera au pouvoir. Il ne va diriger que des Guinéens. Il ne va diriger que des Guinéens. Il ne va pas diriger des Ivoiriens, il ne va pas diriger des Français, il ne va pas diriger des Vietnamiens. Il va diriger des Guinéens. Et l'endroit où les Guinéens vont exprimer leur choix des personnes qui vont les diriger, ça se fera dans les urnes. Ça se fera dans les urnes. Point à la ligne. Point à la ligne. Point à la ligne. Donc, apprenez à lire la loi, la famille. Apprenez à la lire. Apprenez à la lire. Apprenez à l'interpréter. Apprenez à la comprendre. Apprenez à mettre la loi de votre côté. Apprenez à mettre la loi de votre côté. Sinon, n'importe quel falfelu va se lever et il va tourner la loi contre vous. C'est ça qui est la vérité. N'importe quel farfelu qui va se lever, qui va sortir de n'importe où. N'importe quel farfelu qui va se lever, qui va sortir de son Fouta natal ou de son Kankan natal ou de son Zérékoré natal ou bien de sa Basse-Côte natale, il va tourner la loi contre vous. Parce que vous ne savez pas la lire, vous ne savez pas l'interpréter, vous ne savez pas la comprendre. Yeah. Et pour comprendre la loi de ton pays, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 10. Il suffit que ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, tu comprends. Si ça t'intéresse, tu comprends. Tu comprends. Tu apprends à la lire, à l'analyser, à l'interpréter et à la comprendre. Et n'importe quelle personne qui essaiera de la tourner contre toi, tu vas lui dire, tu as menti.
Tu ne peux pas tourner la loi de mon pays contre moi. C'est impossible. Cette loi-là, elle est faite pour toi et pour moi, au même titre. Au même titre, de la même manière qu'elle est censée te servir, c'est de la même manière qu'elle est censée me servir. La loi n'est pas censée profiter de quelqu'un ou profiter à quelqu'un. La loi est censée servir. La loi, elle est censée servir. C'est la loi, c'est la loi quoi, c'est censé servir. C'est pas des émotions, c'est pas des sentiments, c'est la loi. C'est censé servir. Vous entendez les expressions servir et faire valoir ce qui est de droit. On entend les expressions là, on les répète tout bêtement, mais on ne comprend même pas la profondeur des choses. On ne comprend même pas la profondeur des choses. N'importe quel farfelu aujourd'hui, toi, tu dis la phrase là tous les jours, mais n'importe quel farfelu qui se lève en Guinée aujourd'hui, il peut tourner la loi contre toi parce qu'elle ne t'intéresse pas, la loi. Elle ne t'intéresse pas. Tu ne cherches pas à la comprendre. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Donc, apprenez à connaître vos lois, les lois auxquelles vous obéissez. Apprenez à les connaître. Les lois qui sont censées vous protéger, les lois qui sont censées vous servir, apprenez à les connaître. C'est très important. C'est très important. Apprenez à les connaître, apprenez à les faire connaître à vos enfants. C'est très important. C'est très important. Si le Guinéen apprend à connaître la loi, il y a beaucoup de faux débats dans lesquels on ne va pas rentrer. Beaucoup de faux débats dans lesquels on ne va pas rentrer. Et la barbarie n'aura plus sa place en Guinée. Le mensonge n'aura plus sa place en Guinée. L'ethnocentrisme n'aura pas sa place en Guinée. Parce que tout ça, ce sont des catastrophes condamnées par la loi guinéenne. Tout ça. L'ethnocentrisme aujourd'hui qui est en train de devenir à la mode en Guinée, c'est condamné par la loi guinéenne. C'est condamné par la loi guinéenne. Apprenez à connaître les lois qui sont censés vous protéger et vous servir. C'est ça. C'est ça. Parce que si vous ne le connaissez pas, si vous n'apprenez pas à connaître ces lois-là, des personnes vont les apprendre et ils vont les tourner contre vous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, famille. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La deuxième chose, la situation dans laquelle on est là, les recours sont au niveau de la Cour constitutionnelle. Les tontons de la Cour constitutionnelle, faites valoir le droit. Faites valoir le droit. Respectez l'opinion du peuple, les tontons de la Cour constitutionnelle. Tous autant que vous êtes, faites valoir le droit. Faites valoir le droit. Restez du côté du droit, du côté du juste et du justifiable. Et faites valoir la loi. Faites valoir la loi. C'est très simple. Les personnes qui sont en train de faire recours au niveau de la Cour constitutionnelle, vous êtes censé juger sur la base de preuves. Dites-leur de fournir les preuves. C'est aussi simple que ça. Dites-leur de fournir les preuves. Quand le candidat de l'alternance dit qu'il a gagné, dites-lui de fournir les preuves. Il n'a qu'à vous amener les preuves qui lui font dire qu'il a gagné. Quand les gens de la CENI fournissent, c'est-à-dire d'autres résultats, dites-leur de fournir les preuves. Ils n'ont qu'à fournir les PV et tout. Ça doit être à leur disposition. S'ils ne sont pas dans la mesure de fournir ces preuves-là, c'est qu'ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir et ils sont en train de s'amuser avec la loi. Ils sont en train de s'amuser avec la loi. Ils sont en train de tourner la loi en leur avantage et en leur faveur. Les tontons de la Cour constitutionnelle, faites valoir le droit. Faites parler la loi. La loi. C'est tout. Si on fait recours là-bas, là, c'est parce que, ouais, on va demander des preuves. La Cour constitutionnelle, vous êtes censé trancher sur la base de preuves. Sur la base de preuves. Dites aux gens de la CENI, dites aux gens de la CENI de vous fournir les PV sur lesquels ils ont fourni les résultats qu'ils ont donnés là. Ils n'ont qu'à les fournir. Ils n'ont qu'à les fournir. Si leur mensonge est professionnel, ils doivent les avoir en leur détention. Si leur mensonge a été bien fait, ils doivent les avoir en leur détention. Ouais. Et si leur mensonge est bien fait là, même si on va dire c'est un mensonge, on va dire, ah non, mais les gars, ils ont bien fait leur mensonge quand même. Mais tu regardes les gens droit dans les yeux et tu leur mens. Tu mens, tu sais que je sais que tu mens. Mais tu mens quand même. Tu mens sciemment, tu mens, c'est-à-dire librement. Tu mens sans crainte.
C'est quel genre de responsable ça? Ça, c'est quel genre d'individu ça? Donc, les tontons de la Cour constitutionnelle, faites valoir le droit. Faites valoir le droit, faites parler la loi. Les personnes qui ont fait recours chez vous là-bas, les résultats que vous avez reçus là-bas, les preuves, jugez sur la base des preuves. Jugez sur la base des preuves. Les gars de la CENI, ici, ils ont donné des résultats. C'est qu'ils ont les preuves de ce qu'ils ont donné. Ils n'ont qu'à vous donner les preuves jusqu'au dernier PV. Le candidat de l'alternance qui dit qu'il a gagné les élections, s'il le dit, c'est qu'il doit avoir les preuves. Demandez-lui les preuves. Il n'a qu'à vous donner les preuves jusqu'au dernier PV. Et après, vous faites valoir la loi. La loi, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les Guinéens vont arrêter de se battre les uns les autres. Les Guinéens vont arrêter de mourir gratuitement. Tous les Guinéens aujourd'hui doivent être protégés sur la base de la loi. Peu importe ton parti politique, peu importe ta religion, peu importe ton sexe, peu importe ton ethnie, la loi, la loi, la loi. S'il n'y a pas la loi entre les Guinéens, ça va être l'anarchie. Ça va être l'anarchie. Si n'importe quel Guinéen peut se lever et tourner la loi en sa faveur, il va faire vivre au reste des Guinéens l'anarchie, sa volonté personnelle, ce qu'il veut faire, quand il veut faire, comme il veut le faire. Et personne ne pourra rien dire. Et personne ne pourra rien dire. Et cela, peu importe ton ethnie, peu importe ta religion, peu importe ton sexe, peu importe ton domaine d'activité. La Cour constitutionnelle, les tontons de la Cour constitutionnelle, faites parler la loi. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Et qu'après tout, les Guinéens puissent applaudir celui qui a dit la vérité. Et qu'ils puissent faire wouh à celui qui a menti. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'être juriste pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 ou un bac plus 15 pour comprendre ça. C'est simple. C'est terre à terre. C'est comme quand tu arrives à l'école primaire, on t'apprend les mathématiques. 1 plus 1 est égal à 2. C'est simple. C'est simple. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller après. Tu comprends le principe, il marche. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est les gens qui sont encore en train de parler d'alternance. Mais vous êtes têtu, hein, vous. Transition, là. Les gens qui sont en train de parler de transition, là. Mais vous êtes têtu, hein. Vous êtes super têtu, vous. Vous comprenez pas, quoi, au fait. Vous comprenez pas les choses. Vous êtes super, super têtu, au fait. Quelle transition vous voulez? Quelle transition vous voulez? Il y a quelle transition? Quelle transition est en cours? Les gens sont allés à des élections. Le peuple est allé à des élections. Le peuple a voté pour obtenir son alternance. Le peuple est en train de se battre pour obtenir son alternance. Et vous, vous vous levez, vous parlez encore de transition. Mais qu'est-ce que vous voulez au final? Qu'est-ce que vous voulez au final? Non, cette élection n'est pas légitime. Non, cette élection c'est ci. Non, cette élection c'est ça. Non, cette élection c'est rentrée ici. Cette élection c'est sortie là-bas. Arrêtez vos faux débats là. Arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Quand le monsieur il s'est levé pour essayer de faire, c'est-à-dire changer sa constitution là, on s'est tous battus. Il a essayé d'organiser des législatives cumulées avec un changement de constitution. Vous avez dit aux gens, ne votez pas, n'allez pas voter. On va boycotter. Ça ne marchera pas. Ça ne se fera pas. Les gens ne sont pas allés voter. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Vous avez fait quoi? Les législatives, là, ça s'est fait. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi contre ça? Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, on a des députés là-bas qui sont en train de nous dire là-bas, ma papa, mon maman. Et c'est eux, là, ils sont en train de ratifier des lois que les Guinéens vont subir encore. Que les Guinéens vont subir encore. Ça, c'est en train de se faire au vu et au su de tout le monde. Vous n'avez pas pu l'empêcher. Vous n'avez pas pu l'empêcher. Vous n'avez pas pu l'empêcher. Là, là. Le monsieur, il est allé aux élections. Les gens sont allés voter pour lui. Il dit qu'il a gagné les élections. Il dit qu'il détient les preuves qu'il a gagné dans les urnes. De l'autre côté, ils sont en train de dire le contraire. Mais que la Cour constitutionnelle fasse valoir le droit, la loi. Et vous tous qui êtes de l'autre côté là, qui à la base étiez des combattants de l'alternance, qui étaient contre le troisième mandat, qui vous vous levez aujourd'hui pour nous parler de transition, de je ne sais pas, de gouvernement d'union nationale ou des trucs comme ça, vous vous foutez de nous. Vous n'avez pas de respect pour nous, vous n'avez pas respecté notre intelligence.
Vous n'avez pas respecté notre intelligence? C'est-à-dire, nous, quand on fait des vidéos, on prend le risque, on s'affiche comme ça. Ça déplaît à des gens. Vous insultez notre intelligence quand vous parlez comme ça. Vous insultez notre intelligence. Vous faites semblant que vous êtes dans la construction. Vous êtes dans aucune construction. Vous voulez juste vous positionner, c'est-à-dire dans la chaîne du favoritisme. C'est tout ce que vous voulez faire. C'est tout ce que vous voulez faire. Non, on va aller, tu sais, s'il y a la transition, il y aura un gouvernement d'union nationale. Forcément, je serai dans le gouvernement d'union nationale. Le Guinéen n'a plus besoin de ça. Le Guinéen n'a plus besoin de ça. Nous, on ne va pas passer toute notre vie à faire, c'est-à-dire, des gouvernements d'union nationale. On ne va pas passer toute notre vie à faire des transitions. On ne va pas passer toute notre vie à faire ça. C'est impossible. C'est impossible. On ne va pas passer toute notre vie à faire ça. Moi, ma génération, moi, on a vécu trois transitions. On a vécu la transition de Sékou Touré à l'Ansana Conté. On a vécu la transition de l'Ansana Conté à Dadis. Arrêtez, on est fatigué. Vous voulez qu'on vive encore une autre transition? On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Vos parents ont menti à nos parents. Vous, vous êtes en train de nous mentir. On refuse. On refuse. Et on va se battre contre vous pour que s'arrête le mensonge. Parce qu'en aucun cas, vos enfants ne mentiront à nos enfants. Ah, ça, c'est clair et net. Retenez ça. Vos parents, ils ont menti à nos parents. C'est leur problème, c'est eux que ça regarde. Dans notre jeunesse, pendant que nos parents, vos parents étaient en train de mentir à nos parents, vous, vous étiez en train de nous mentir. Aujourd'hui, on est grand, on est des hommes aujourd'hui, on est des pères de famille, on a des enfants. Votre mensonge là, on ne l'entendra plus. On ne l'entendra plus parce que vos enfants ne mentiront pas à nos enfants. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est que jusqu'à présent, vous n'avez pas compris le peuple que vous êtes en train de faire semblant de vouloir diriger. C'est vrai, diriger forcé, ça existe où? Même à la mosquée, l'imam, tu ne peux pas prier derrière un imam si tu sens que sa prière n'est pas halal. Tu ne vas pas prier derrière lui. À l'église, le pasteur, il ne peut pas faire le sermon si tu sens que son sermon là, il n'est pas halal. Tu ne vas pas l'écouter. Tu ne peux pas l'écouter. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. RPG. Cour constitutionnelle, super. UFDG, cour constitutionnelle, super. Faites parler la loi. Faites parler la loi. Les gars de la CENI, ils disent qu'ils ont proclamé des résultats. Ils ont les résultats. Les résultats qu'ils ont proclamés là, c'est qu'ils doivent avoir les preuves de ce qu'ils ont proclamé. Ils n'ont qu'à nous donner les PV. Ils n'ont qu'à nous fournir les PV là, on va voir. Si leur mensonge là, voilà, s'il est professionnellement menti, on va être d'accord avec eux. Nous-mêmes, on va revenir ici pour dire, ah non, les gars, ils ont menti, hein, mais le mensonge était bien fait. Mais vous voulez imposer, c'est-à-dire le mensonge aux gens par la force. Par la force. Quand tu mens aux gens, au moins, mens leur intelligemment. Quelqu'un à qui tu mens, il faut le caresser dans le sens du poil. Mais tu es en train de mentir, la personne sait que tu es en train de mentir. Tu dis, si tu ne dis pas que ce que j'ai dit, c'est vrai, je te tue. Je te mets en prison. C'est quel genre de mensonge ça? Il y a un mot pour ça, ça s'appelle de la dictature. Ça s'appelle de la dictature, j'ai raison. En tout temps, moi je suis Dieu sur terre, j'ai raison. Toujours et tout le temps. C'est ça. C'est ça. Donc ça ne marchera pas. Donc franchement, au militaire guinéen, Tokora est parti dans les casernes aujourd'hui, il vous a parlé, si vous n'avez pas ces jours-là, si il vous a parlé, si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, je vous dis, il vous a insulté. Il vous a insulté, c'est-à-dire dans votre profession. Il vous a insulté dans votre profession. Je vous traduis ça dans un langage de tous les jours. De tous les jours. Au fait, ce qu'il a dit, l'armée guinéenne n'a jamais fait de coup d'état, ils attendent toujours. Quand le monsieur qui est au pouvoir, il meurt et ils prennent le pouvoir. Ça veut dire que l'armée guinéenne n'a jamais été du côté de sa population. Ça, nous, on est conscient de ça, on est au courant de ça et on l'accepte. On a accepté ça sur vous depuis. Maintenant, tous les jours, on est en train de prier et on essaie de vous raisonner pour que vous changiez. Pour que vous compreniez un peu, non, hey, écoute, je dois être au service du peuple. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour essayer de prendre pouvoir, pour essayer de... Je suis au service du peuple, au service de la loi. Aujourd'hui, ce avec quoi on me paye là, c'est parce que les Guinéens travaillent. C'est les taxes des Guinéens. C'est la bauxite des Guinéens. Ok,
C'est l'or des Guinéens, c'est le diamant des Guinéens, c'est avec ça que moi on est en train de me payer. Les sacs de riz que je reçois, c'est ça. Les cartouches avec lesquelles je tire là, ça vient de là. C'est ça. Nous, c'est tout ce qu'on veut que l'armée guinéenne comprenne. Donc après, il ne faut même pas rêver un instant de penser que l'armée guinéenne va reprendre le pouvoir en Guinée. C'est impossible. C'est impossible. Le prochain militaire qui va se lever pour essayer de faire ça, nous, on sera devant lui exactement de la même manière qu'aujourd'hui on est en train de se battre pour l'alternance. De la même manière, c'est fini. En Guinée, maintenant, le pouvoir, il se gagne dans les urnes, il se perd dans les urnes. C'est ça qui est la vérité. Deuxième point, la Cour constitutionnelle, faites parler le droit, faites parler la loi. Faites parler la loi. Quelqu'un dit il a gagné, l'autre dit il a gagné. Les preuves. Exprimez-vous sur la base des preuves, c'est tout. Mais les preuves véritables, entre vous et votre conscience, entre vous et votre conscience professionnelle, et entre vous, et la puissance divine qui vous regarde. C'est tout. Vous vous exprimez, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et les autres tontons et les tantis qui sont en train de nous parler de transition, là, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Si c'est sur ça que vous comptez, pour compter sur l'échiquier politique national, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Oubliez ça. Oubliez ça, je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo. Plus aucun Guinéen ne va mourir ici pour les ambitions politiques d'un individu. Ça, c'est terminé, ça. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, le Guinéen, il se bat pour ses propres ambitions. Pour ses propres ambitions. Le Guinéen, aujourd'hui, il se bat pour que la loi soit de son côté. Pour que la loi le protège et le serve. C'est pour ça que le Guinéen se bat. Le Guinéen ne se bat pas pour qu'un individu profite du pouvoir. Le pouvoir qui va retourner contre lui après, ça, c'est terminé, ça. Ça, c'est terminé. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on passe à un autre niveau de l'histoire de notre pays. De l'histoire de notre pays. Que les politiques y comprennent qu'ils veulent, ils ne veulent pas, ils seront au service du peuple. Parce que le peuple fait les présidents et le peuple défait les présidents. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pourquoi en 2021, là, on puisse parler d'autre chose en Guinée? Qu'on puisse parler d'éducation, qu'on puisse parler de santé, qu'on puisse parler d'autre chose. Qu'on ne soit pas juste sur ce débat-là, genre, ah, politique, politique, UFDG, RPG, ah, politique, politique, ah, les peuls contre les malinqués. Qu'on dépasse ça, qu'on passe à un autre niveau du débat. Qu'on passe à un autre niveau du débat. Qu'on passe à un débat où ceux qui n'ont rien à dire sont obligés de fermer leur gueule et d'écouter ceux qui ont des choses à dire. C'est ça. Il faut que la Guinée arrive à ça. Il faut que la Guinée arrive à ça. Parce que là, aujourd'hui, le problème que nous avons en Guinée, c'est que il y a tellement de gens qui devraient parler, mais qui ne parlent pas. C'est triste. C'est triste. Et on est tellement nombreux qui ne devions pas parler, mais on est obligé de parler. C'est triste, ça. C'est triste pour un pays. C'est triste. C'est très, très triste. Moi, j'ai de la peine pour mes enfants. Si Dieu me donne longue vie, j'ai bien envie de raconter cette histoire à mes enfants dans 20 ans, mais je vais leur dire quoi? Je vais leur dire quoi? On m'a imposé le mensonge par la force. Et j'ai accepté. Après, quelle éducation tu vas donner à ton enfant? Les tontons de la Cour constitutionnelle, faites valoir le droit. La loi. La loi. Ils n'ont qu'à vous donner les preuves. Ils n'ont qu'à vous donner les preuves de ce qu'ils sont en train d'affirmer. Et vous vous exprimez sur cette base-là. Et vous vous exprimez sur cette base-là. Nous, aujourd'hui, peuple de Guinée, on a envie de passer à autre chose. Ouais, nous, aujourd'hui, on a envie de parler de notre problème d'éducation. Les enseignants qui sont en train de gréver depuis 10 ans, là, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Les militaires dans nos quartiers qui nous tuent et qu'après, on part dans les casernes pour les féliciter, nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Et ça, peu importe qui sera président, le Guinéen ne laissera plus ça passer. Le Guinéen ne laissera plus ça passer. La loi guinéenne va être au service du Guinéen. Point barre. Elle ne sera plus jamais au service d'un individu. Plus jamais. Plus jamais. Quelqu'un qui veut être élu du peuple, si tu es élu du peuple, c'est que tu travailles pour le peuple. Et tu vas travailler pour le peuple, de gré ou de force. C'est tout. Parce que personne ne t'a dit de te présenter à des élections. Personne n'a dit, confiez-moi cette responsabilité-là. Moi, je peux m'en occuper. Si on te la confie, tu vas la faire. Convenablement. Convenablement. Convenablement, tu vas la faire. C'est tout. Donc, les tontons de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, là, hein, exprimez-vous, mais faites parler la loi.
Les affirmations qu'ils sont en train de donner là, ils n'ont qu'à donner les preuves de ce qu'ils sont en train de dire. Et vous, vous jugez sur cette base-là. C'est tout. C'est tout. Et les militaires guinéens là, les sous-entendus qu'on est en train de dire, vous n'avez jamais fait de coup d'État, mashallah, Dieu merci, vous n'en avez jamais fait. Mais vous avez toujours été contre votre peuple. Toujours. Vous avez toujours participé à opprimer votre peuple. Toujours. Homme de tenue de la Guinée, homme de tenue de la Guinée, vous avez toujours participé à opprimer votre peuple. Toujours, vous avez été des maillons très très forts dans l'oppression que votre peuple a subie. Et l'oppression ne venait pas de l'extérieur, l'oppression elle était interne. C'était une oppression qui venait de l'intérieur. Et vous, vous avez toujours cautionné ça. Et vous avez été un maillon très très fort dans cette oppression-là. Dans cette oppression-là. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un part vous dire que vous n'avez jamais fait de coup d'État et puis vous êtes tout content, vous applaudissez la personne, c'est que c'est juste que vous ne comprenez pas que vous applaudissez même les gens qui vous insultent. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Sinon, c'est pas ce discours qui était tenu au temps de Sékou Touré, encore moins au temps de Lansana Conté et encore moins tout dernièrement au temps de Dadis Camara. C'est pas ce discours qui était tenu face à l'armée guinéenne. Yeah. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Guinéens et Guinéennes, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Yeah. Et apprenons à connaître nos lois. C'est en connaissant nos lois qu'elles seront à notre service. C'est quand on va connaître nos lois, là. Je ne parle pas de droit et de devoir, hein. La loi, c'est de là que tout part. C'est quand on va connaître ça là que ça va être à notre service. Tant qu'on ne va pas le connaître, ça sera toujours utilisé contre nous. Contre nous, ça sera toujours utilisé contre nous. C'est ça qui est la vérité, la famille. Et la loi là, c'est des chiffres et des lettres. C'est des chiffres et des lettres. C'est article 1, article 2, article 3, article 4, c'est ainsi de suite. C'est des chiffres et des lettres. L'article 1 dit... dit, c'est ça. C'est des chiffres et des lettres. C'est ça qui est la vérité. Apprenons à les connaître pour qu'on ne s'en serve pas contre nous. Apprenons à les connaître pour que ça soit à notre service. À notre service. D'Assoussa. C'est ça. Et le dernier point, les tontons qui sont en train de parler de transition là. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Vous aussi, vous êtes têtus quoi. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Le peuple de Guinée est allé dans les urnes, le peuple de Guinée a voté, le peuple de Guinée a obtenu une alternance. Rangez-vous du côté du peuple de Guinée et avançons. Arrêtez de faire les intéressants. Arrêtez de faire les intéressants. Arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est ça qui est la vérité, la famille. Faites attention à vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et j'espère que la semaine qui débute vous trouvera tous et toutes en bonne santé.